faut nettoyer ta bouille. Hein. T'as du chocolat partout. Ah oui. Bon, oh, nous sommes prêts. Il est mercredi matin. Nous allons emmener les enfants à l'école. Nous allons partir à la musique et au dessin, emmener Com et Elsa. Moi, je vais aller à la poste récupérer mon meuble télé. Je vais aller chez Super U faire quelques courses. Ensuite, je récupère Elsa. Et ensuite, on va filer tous les trois, avec Adam, Marceau et Elsa, chez Gémeaux, parce que je dois absolument trouver des vestes. Je vais pas dire mi-saison, c'est vraiment des vestes d'été que je cherche. Marceau, tu me fatigues là, je peux pas parler. Moi, je vais prendre un petit chariot. Je ne crois pas, mais tu peux toujours espérer. Est-ce que... Bah non, parce qu'il y a trop de courses. Oh, j'ai acheté du chocolat de la fille. Dis bonjour. Vous avez vu sa cicatrice? Non, ta cicatrice. Voilà. Elle est quand même bien marquée. Hein. Ouais, mais c'est bon. Mais c'est rien. On dirait un gros bouton. Ça tremble. Tu vois, dis que c'est un bouton. Mmh. Ça fait comme un bouton, c'est vrai. Ouais. Donc, ouais, je vous épargne le placard ouvert encore une fois. Du coup, là, on va s'en aller dans 10 minutes à peu près. Du coup, le vlog d'hier ne sera pas en ligne avant midi. Puisque nous partons et je laisse, en fait, le chargement n'est pas terminé, il reste 20 minutes. Voilà, c'est la chanson de la chorale à laquelle nous allons assister demain. Je n'en peux plus, je l'entends à longueur de journée. Voilà, Marceau est en train de se préparer. T'es au top, mon bébé, c'est bien. Ouais. Moi, je suis en train de... Allez, mettez vos chaussures, vous aussi. Ouais, une chanson trop bizarre en romain. Ils sont des idées. Mais ceci dit, ça fait découvrir... ça leur fait découvrir des choses, c'est très bien. Mais j'avoue que j'ai trouvé l'idée assez originale. Du coup, là, on s'en va. Et puis, comme je vous le disais, donc, le vlog, en fait, n'est en ligne, ne sera en ligne qu'à midi, mais vous l'aurez déjà vu quand je vous dis ça. Parce que, nous devons partir et que le chargement n'est pas fini et que je dois emmener mon portable. Donc, je l'ai repassé en Wi-Fi et donc il sera posté quand je reviendrai. Il sera terminé de charger quand je reviendrai ce midi, donc je le mettrai dans le portable. Voilà. Et bien, sur ce. Passez une bonne matinée. Une bonne journée à tous. Tout à l'heure. Bon, il est midi et quart, on vient de rentrer. Du coup, ce matin, je suis contente. J'ai eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire, sans exception. On a fait les courses, on est allé chercher... qu'est-ce qu'on est allé chercher? Le meuble télé. J'ai déposé mon chèque à la banque. On est allé chez Gémeaux, du coup j'ai trouvé mes demi-semelles pour mettre dans mes nouvelles sandales. Et puis, Elsa s'est trouvé une paire de baskets, c'était pas prévu à la base. Par contre, j'ai toujours pas trouvé les vestes pour les gars. Donc tant pis, on va attendre encore un peu. Je irai voir certainement chez Orchestra. Attendez, regardez mes baskets. Alors, Elsa va vous montrer ses baskets. Voilà. Bon, en fait, elles sont vernies sur le bout et puis en espèce de daim sur le tout. Et là voilà. Aussi, elles sont vernies. Ouais. Et avec des lacets en ruban. Ouais. Oui, bon, c'est bon, remets-toi. Elles sont trouvées. Donc, j'ai toujours pas trouvé ce que je cherche. T'as pas de nouvelles baskets. Donc là, on vient de rentrer. Il est midi et quart. Je vais m'atteler à faire les crêpes. Et puis cet après-midi, en fait, je dépose Com et Adam chez une amie. J'emmène Elsa et Marceau chez le médecin. Et puis après le médecin, on va... Alors il faut que j'appelle, en fait. On a un jardin des plantes à Chemillet qui s'appelle Camifolia, qui est très très intéressant. Et en fait, mon amie qui va me garder les gars, elle y va cet après-midi, sauf que nous, on n'habite plus Chemillet, et du coup, je ne sais pas si on doit payer pour y aller ou pas. Donc, si on doit payer, on n'ira pas, parce que là, clairement, j'ai pas le budget. On retournera au parc où on est allé ce matin, d'ailleurs, quand on attendait Co, mes enfants ont beaucoup aimé. Et puis, si en fait, nous, on fait toujours partie de la communauté de communes de Chemillet. Donc, je ne sais pas si les tarifs sont valables que pour la ville de Chemillet ou pour la communauté de communes. Donc, je vais téléphoner, je vais voir et en fonction de ce qu'ils vont m'annoncer, soit on ira à Camifolia cet après-midi, soit on ira au parc tout simplement avec les enfants. Il fait beau
Il fait chaud même. Et c'était très agréable déjà ce matin. Donc je pense que cet après-midi, ça sera un plaisir. Voilà. Bon, on vous reprend les amis. Il est 14h. On est très très en retard. On part tout juste de la maison. Normalement, on devait être à 14h chez Perrine. Puisqu'on a rendez-vous à 14h15 chez le médecin. Sauf que concrètement, on est à 12 minutes de chez Perrine. Donc on est obligatoirement en retard. Pour le parc. Quoi? Pour le parc. Non, pour aller chez le médecin, déjà. On dépose les gars pour aller chez le médecin sans y aller à 5, parce que sinon c'est la cata. Et puis ensuite, du coup, j'ai téléphoné, c'est bon, on a l'entrée gratuite au parc, puisqu'on fait partie de l'agglomération de Chemillé. Et donc, en fait, on paiera 1 euro par personne si on veut une visite guidée, mais ça, voilà, ça nous fait payer 5 euros. C'est pas la fin du monde, mais en tout cas, on devrait passer une bonne après-midi parce qu'il fait super beau. Et par contre, j'ai mis une couche à Marceau. Un peu les boules parce que, en fait, il a une diarrhée mondiale. Phénoménale. C'est, en fait, il pense qu'il a des gaz, mais quand il laisse partir les gaz, en fait, c'est pas des gaz. Voilà. Donc, c'est majoritairement de l'eau, il n'y a pas beaucoup de sel, mais quand même. C'est pas top. Donc pour lui éviter, parce qu'en fait comme il s'en rend pas compte vu que lui il pense que c'est des gaz, pour lui éviter d'avoir les fesses au sale et mouillées toute l'après-midi, du coup je lui ai pris une couche. Ça sera préférable pour lui. Donc voilà, bah, sur ce, on vous laisse maintenant, on vous reprendra, je vous montrerai un petit peu le parc, ce que ça donne, ce que c'est vraiment, et vous verrez à quel point c'est sympa. Ouais. C'est sympa de vous. Voilà. Bon bah à tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Il me porte mon manteau. Oh, hey, t'es pas culottée toi. Vous avez fini de toucher là? Oui, bah moi oui. Bon ça y est, on est à Camille Folia. Et en fait on découvre un petit peu toutes les senteurs. Donc là on est dans le jardin des senteurs. Donc en fait on touche les feuilles et on sent les odeurs. Alors c'est principalement de la menthe, mais c'est une tuerie. Donc là, nous allons dans le jardin botanique. Voilà, les enfants sont devant. Alors, on est nombreux, hein, on est 12 en fait. Tous ceux qui me disent que je suis une wonder maman, ma copine Perrine a fait mieux que moi, elle a 6 enfants. Voilà. Du coup, à nous deux, bah... ça fait 12. Ça quantifie quoi. T'as attention de pas tomber dans l'eau, hein. Je dis attention de ne pas tomber dans l'eau, c'est Perrine qui a failli tomber. Reste avec moi. Juste je vous montre quand même parce que c'est quand même juste super joli. C'est trop top ce parc en fait. Ouais, moi j'adore. Ouais. Je me suis dit, dès que ça ouvre, moi je viens me prélasser ici, je prends un bouquin et tout. Ceci dit, c'est le bon plan. Hein. Voilà, vous voyez Perrine de dos qui descend. Hop. Les enfants sont sur le côté là-bas, on ne les voit pas trop, ils sont dans l'ombre. Hop, je descends rapidement. Ah oui, bah ça fait partie de la nature. Ça fait partie de la nature, hein. Dis donc, belle bête. Hein. C'est pas un frelon ça. Ouais, je sais pas trop. C'est un. C'est pas les trucs asiatiques là? Non, non, c'est un bourdon. Il est beau, hein? Punaise. Oui, c'est ça. Les frelons asiatiques, ça ressemble à des guêpes, il est beaucoup plus gros. C'est quoi? D'accord. Hop. Là, ma mère, j'ai envie de te baigner. Tu as envie de te baigner? Ah, bah oui, mais c'est pas un endroit pour se baigner. Courage, courage. L'eau est bonne. Voilà. Et mes clés, donc j'aimerais pas que. Une. On a aussi une estrade, en fait, qui est juste trop bien. Enfin, c'est pas une estrade, je dis n'importe quoi, c'est une tribune, pardon, pour que les gens puissent s'installer, parce qu'en fait il y a des concerts qui sont donnés ici, il y a des spectacles, etc. Donc du coup, en plein air, c'est juste trop bien. Là on est au pied de l'étang, il y a des transats et tout, on peut se poser, c'est juste le plein bonheur. Voilà, et on se la coule douce aussi, hein, à Camille Folia. On est bien là? Ouais. T'es bien Marceau? Ouais, tranquille, Mimile. Voilà, les chiens. C'est trop bien. On va venir se poser là après pour prendre le goûter, je pense. Vous venez?
On va avancer un petit peu. Ouais, on a un parcours sensoriel là, juste dans la foulée. Là, on va passer l'angle. Et normalement, on a un parcours sensoriel à faire. Quand on est une mère sans cervelle, c'est bien d'avoir une copine qui pense à tout. Elle a prévu les gâteaux, elle a prévu la bouteille d'eau, tout ça. Alors que moi, j'ai rien. Adam ? Moi, je suis venue les mains vides. Par contre, le petit cookie, là, il va préférer long feu. J'allais partir, mais je ne vous ai pas montré le parcours. Alors, ils appellent ça un parcours sensoriel. J'allais dire sensationnel, rien à voir. Voilà, donc en fait, il y a du verre concassé. Là-bas, c'est de l'ardoise. Ici, ce sont des galets. Donc là, il y a un bromisateur en fait en haut. Les enfants, quand ils passent, ils prennent une petite dose. Là, du coup, il y a un slalom dans les bois. Après, il y a une petite plateforme classique. Ça, c'est des noyaux. Ah non, là, c'est du liège, pardon. C'est pas de classique. Ah oui, effectivement, quand on appuie avec le pied, c'est... Ah, ici, ce sont des noyaux de pêche. Là, en fait, c'est... Vous allez peut-être pas voir si vous allez voir. Quand on appuie dessus, en fait, c'est une poche à eau. Là, ce sont des écorces de bois. On va monter, Zoé. Ici, ce sont... En fait, sur chaque marche, en fait, c'est écrit à chaque fois. Donc là, c'était du chanvre et non pas du bois. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Je vois même pas ce que c'est écrit. Du Puzalan. Je ne connais pas. Là, il y a encore des petits tronçons avec du sable. On va monter, Marceau et Jacob. Venez, on va aller plutôt là-haut. On va à l'aire de jeu. Donc ça, ce sont des écorces colorées. Tout simplement. Des écorces colorées. Là, ce sont encore des galets. Ici, ce sont la fibre de coco. Encore des galets et le parcours est terminé. Et alors après, nous avons encore pour le sensoriel des matières à toucher. Donc il y a du mouton, il y a du chevreau, il y a du lapin, il y a du veau. Et puis après, il y a tout un tas de petites énigmes, des petits jeux. Il y a les bambous en fait qu'on les cogne les uns contre les autres. Alors je ne sais pas si je peux le faire. Alors, sauf que le mien, il cogne rien du tout. Vas-y Zoé, montre-nous comment on fait. Voilà. Merci Milette. Et puis de ce côté-là, on a l'éveil musical. Voilà. Ce parc, il est juste trop top, quoi. Alors pour nous, c'est gratuit. Merci Com de nous montrer comment ça marche. Ah, mais de l'eau. Non, c'est Perrine qui a de l'eau. Honnêtement, je suis venue en touriste, moi. Je suis une mère indienne. En fait, j'avais pas prévu qu'on allait prendre le goûter ici. Donc là, il y a le parcours à cordes. C'est un peu comme une toile d'araignée. Donc il faut passer au milieu. C'est assez sympa. Et puis là-bas, on a la structure, en fait. C'est trop, trop joli. On se croirait chez Astérix. On se croirait chez Robinson. C'est clair, nous on dormira bien ce soir. Bon, je vous reprends, il est quelle heure? Il est 18h20. J'ai les marques de mes lunettes de soleil. On vient tout juste de rentrer, on a eu un temps, mon Dieu, trop beau. Là je m'apprêtais à monter mon meuble télé pendant que les enfants vont faire leur leçon. Eh ouais, tout le monde souffle. En gros, hier soir, personne n'a voulu faire ses leçons. Tout le monde m'a dit, on pourra les faire demain. J'ai dit d'accord, mais demain après-midi, en tout début d'après-midi. Et pourtant, tu les as fait hier soir? Bon, bah alors. Et j'avais dit à Adam, ok, mais en tout début d'après-midi, demain. Ok. Sauf que là, on était hyper à la bourre. Du coup, personne n'a fait ses leçons. Et là, maintenant, plus personne ne veut les faire. Sauf que ça ne passera pas. Tout le monde va faire ses leçons. Donc, on va s'activer. Moi, je vais monter mon petit meuble si j'ai le temps. Je vais en faire à manger en même temps. Mais qu'est-ce que c'est? Marceau est grognon parce qu'il s'est endormi dans la voiture. Et puis... qu'est-ce qu'il y a? Je n'aime pas ouvrir ma
Allez l'aider à ranger ses chaussures. Allez ranger les vôtres en même temps. Ça sera pas du luxe. Ce soir, du coup, je vais remonter ma poussette puisque tous les tissus en fait sont dans le panier. Je vous montrer quelque chose qui est précieux. Voilà. Waouh. C'est les enfants de Périne qui l'ont donné. Donc, ouais, ce soir, je vais remonter tout ça. Puis demain, je prends en photo et je mets en vente, hein, clairement. J'ai toujours pas mis en ligne le vlog, mais le vlog, mais je vois en même temps que là, il est disponible. Donc, voilà. Non, j'ai dû le mettre en mode privé, donc ça va pas aider. Public. Publié. Voilà, le vlog est en ligne. À 18h20, il était temps. Mais bon, il vaut tard que jamais, comme on dit. Et du coup, on s'active, hein, parce que 18h20, ça fait quand même un petit peu tard, d'autant qu'ils sont toujours pas douchés. Donc, faut y aller. Hein. Je crois que j'ai des notifications. En plus, c'est nouveau vlog publié. Eh bien, c'est parti. C'est précieux, c'est fragile. Bon, ça y est, j'ai reçu mon télé et il est monté. Alors évidemment, il faut que je trouve des choses pour le décorer parce que les deux petites étagères, j'avoue que ça fait un peu vide. D'autant que bientôt, il n'y aura plus la box dedans. Donc il faut vraiment que je vais essayer de me trouver des petits paniers un peu plus beaux que celui qui est dedans. Et puis, ça va le faire. Hein. C'est suffisant pour ce que j'en ai besoin. C'est suffisant et puis en même temps j'ai pas beaucoup de place à l'endroit où je voudrais la mettre dans la nouvelle maison et j'espère déjà que celui-là va rentrer. Alors il est pas parfaitement bien monté puisque en fait Eric est parti avec la comment ça s'appelle la visseuse pardon et du coup visser avec le tournevis, c'était méga difficile. Donc, y a des vis, en fait, que j'ai pas poussées jusqu'au bout. Donc, comme Eric vient demain pour s'occuper de Marceau demain midi et des enfants demain soir, du coup, je lui ai demandé si il pouvait revenir, enfin, emmener avec lui la visseuse pour que je puisse, terminer, enfin, pousser les vis à fond et que mon meuble soit vraiment bien solide parce que... Même au niveau des charnières de la porte, ça tient pas tip-top. Donc voilà, du coup, ça se meuble hein, petit à petit. Et puis, Alors demain, c'est ma journée de formation. Enfin, de formation. C'est pas ma journée de formation, mais c'est ma journée de test. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que, en fait, le monsieur, normalement, devait m'envoyer un mail... pour me dire de quoi ça retournait, etc. Au final, j'ai rien reçu. Donc, il m'avait aussi demandé de confirmer ma venue. Pareil, j'ai rien reçu non plus. Donc, concrètement, je vais me présenter demain, mais ils ne savent même pas que je viens, quoi. Donc, mais bon, moi, je me suis organisée. Mes enfants sont inscrits à la péri, à la cantine. J'ai trouvé quelqu'un pour emmener Marceau à l'école, enfin... Donc, je vais pas faire demi-tour et rester à la maison. Je vais y aller quand même. Mais c'est vrai que j'espère qu'ils vont accepter de me recevoir et que le test sera pas complet et qu'on me dira pas, il y a trop de monde, on peut pas, quoi. Donc, de toute façon, si c'est ça, je rentre chez moi, je laisse tomber et... J'y retournerai pas, du coup, parce que concrètement, vu qu'elle m'a déjà annoncé que... Concrètement, je pourrais pas la faire, cette formation. En fait, j'y vais parce que pour le fun un peu mais elle m'a bien précisé que vu qu'elle n'est pas financée par la région donc elle m'a quand même donné des sites pour que je puisse aller faire des recherches pour trouver la formation qui pourrait me convenir mais il faut que je prenne le temps de regarder quoi. Donc demain déjà je suis pas là de la journée donc déjà même mes coups de fil je peux pas les passer, j'y avais pas pensé. Parce que du coup, je suis partie toute l'après-midi, vous avez vu, hein, le parc, etc. Donc, ça nous a fait du bien, franchement, de sortir. Surtout qu'il faisait très beau. Mais voilà, du coup, à la maison, j'ai rien fait.
Donc là, je me suis posée un petit peu pour vous clôturer la vidéo. Je vais faire le montage et ensuite, je vais remonter tous les accessoires de ma poussette. Je vais les prendre en photo, je vais les mettre en annonce. Je vais ranger un petit peu parce que du coup, quand même, il y a Eric qui vient demain. Donc la moindre des choses, c'est quand même de l'accueillir pas trop dans le bordel. Et puis, après, je vais aller me coucher parce qu'il ne faut pas que je me lève trop tard, sachant que... Enfin, il faut que je me lève très tôt, du coup. Donc, il ne faut pas que je me couche trop tard. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ce vlog. Si c'est le cas, je vous le répète, hein, n'hésitez pas à liker. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Demain, ça va être un vlog, du coup, un peu particulier. Puisque forcément je vais être en formation toute la journée, donc je pense que je vais très peu vlogger dans le courant de la journée. Je vais vlogger demain matin avant de partir. Je sais même pas ce que je vais manger demain midi, donc concrètement je pense que je vais aller m'acheter un sandwich chez Leader Price et puis je vais retourner au centre de formation et j'aurai certainement le temps de vlogger pendant ma pause déj, quoi. Mais ouais, c'est... Pour l'instant, je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc, et puis après, je vloguerai en rentrant avec les enfants. Je vous raconterai tout ça. Et puis, j'espère que ça va bien se passer. Je commence un petit peu à stresser, j'avoue. Parce que je sais pas trop à quoi m'attendre, du coup, puisque j'ai pas eu le mail, j'ai rien eu. Donc bon, on verra bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à demain. Dans la joie, la bonne humeur et dans l'hyperactivité, comme d'habitude. Gros bisous les amis.